Sans Chantal, notre entreprise était inimaginable, comme tant d'autres, que son absence rend impossible. Son Excellence le Général Auguste Pinochet, président de la République du Chili, vous parle. Il n'y a pas de prisonniers politiques en ce moment. Ceux qui sont en prison ont été jugés selon les lois militaires. Et tous ces gens, soit avaient des armes, soit ont combattu, soit ont commis des actes de sabotage contre le gouvernement les premiers jours après notre action. Ils furent jugés, ils furent condamnés et ils purgent leur peine. En outre, à ces gens, on leur a donné la possibilité de quitter le pays, de commuer leur peine en extradition. Donc, il n'y a pas de prisonniers politiques. En ce qui concerne les disparus, il y a une justice qui étudie le problème. Et mon sentiment personnel est que tout cela est surtout de la propagande. Un spectacle préparé et monté pour l'étranger. Il n'y a plus de prisonniers, alors ils continuent avec les disparus. Je vous fais remarquer qu'il y a beaucoup de retrouvés. L'autre jour, on m'a informé qu'on a retrouvé près de 70 personnes. De plus, je dois vous faire remarquer ce qui suit. Primo, que ces gens ont différentes identités. Je me souviens que pour M. Enrique, on a trouvé 14 documents d'identité. Il est donc très difficile de le situer. D'autres n'ont jamais existé. Et les communistes les mettent sur la liste. Et on a vérifié qu'ils n'apparaissent sur aucun registre. D'autres se sont cachés, d'autres ont quitté le pays et d'autres sont morts. Nous allons voir les curés de paroisse pour parler avec eux de notre drame. Il y a tellement longtemps que nous recherchons les membres de notre famille. Et même si nous avons l'air calme, il ne faut pas croire que nous sommes habitués. Nous ne faisons que supporter. Je suis évêque auxiliaire de Santiago et vicaire de la zone nord. Ces personnes appartiennent aux familles des disparus. Nous les accueillons ici, dans le vicariat, pour qu'elles se rencontrent et fasse ensemble les démarches nécessaires que la loi signale et que la justice exige afin d'obtenir des éclaircissements sur le sort des disparus. Le vicariat de la solidarité a réuni des dossiers extrêmement précis et très détaillés sur 415 cas de disparition. La Croix-Rouge internationale a répertorié 1500 cas. Il est possible qu'il y en ait davantage, mais le vicariat s'est limité à ceux qui ont pu être rigoureusement vérifiés avec des documents, des déclarations prêtées sous serment, devant notaire, etc. De nombreux disparus sont peut-être morts aujourd'hui, à la suite de tortures, ou parce qu'ils étaient malades lorsqu'on les a arrêtés. Cela fait maintenant plus de 3 ans pour la plupart. Ahora que sí, concretamente, nosotros deseamos una información oficial.
Nous voulons une information officielle. Où sont-ils? Qui sont-ils? Quel est leur état de santé? Nous voulons les voir et savoir pourquoi ils ont été arrêtés. S'ils sont coupables, nous avons une justice, nous avons des tribunaux, nous voulons qu'ils soient jugés. Mais pour ceux qui ne sont pas coupables, nous voulons qu'on nous explique leur arrestation et nous demandons leur liberté. Quelle est notre situation? Nous vivons tout le temps dans l'incertitude. Il y a beaucoup de prisonniers politiques au Chili. Beaucoup d'entre eux sont partis du pays ou sortis de prison, mais de toute façon, ils restent des prisonniers politiques au Chili. J'ai reçu deux messieurs qui se sont présentés comme membres de la communication sociale du ministère de l'Intérieur. Ils m'ont demandé des nouvelles de mon époux, si c'était sa maison. J'ai répondu oui, que c'était sa maison, la mienne et celle de ses enfants. Et puis je leur ai dit, dites-leur, puisque vous dites que vous êtes du ministère de l'Intérieur, messieurs, dites-leur qu'il y a ici, dans ce foyer, une femme et cinq enfants qui attendent son retour, le retour du mari. Je leur ai dit, vous pouvez voir que je suis en plein travail. J'étais en train de couper des vêtements. Grâce à Dieu, j'essaie un peu travailler. C'est pour ça que mes enfants ne sont pas morts de faim. Mais la place du père, de l'ami, du professeur, je ne peux la remplir avec rien. C'est pour ça que j'attends ce retour. C'est l'être humain que je veux. Le 8 décembre 1873, un grand incendie détruisit à Santiago, capitale du Chili, l'église de la Compagnie de Jésus. L'événement fut d'autant plus tragique qu'il se produisit le jour même où se terminait le mois de la Vierge Marie. L'église était pleine de nombreuses assistances, de femmes et d'enfants surtout, qui dépassaient 2000 personnes. L'excès de lumière, d'ornements, de tentures et surtout 7000 lampes à huile qui formaient un cadre très particulier ont été la cause directe de cette tragédie qui en quelques minutes enveloppa le toit de l'église d'un rideau de flammes.
Ceci représente le moment peut-être le plus dramatique de l'incendie. Quand le feu eut rongé toute la structure du toit, une partie de la coupole s'effondra, entraînant avec elle les lampes à huile, et qui mirent le feu à la foule entassée dans les bas-côtés de l'église. De l'extérieur, on essayait de les aider par tous les moyens. On utilisait des arbres pour former des ponts, des branches. Que sirvieran para los que estaban en el interior poder salir. La muralla que se había formado, especialmente de cuerpos de mujeres, la muraille qui s'était formée, de corps de femmes surtout, mortellement enchevêtrée dans les barbelés d'acier et de bois de leurs crinolines, rendit plus difficile l'évacuation et fut à l'origine de la plupart des morts. Y fue en gran parte la causante de la mayoría de las muertes. De nombreux sauveteurs improvisés trouvèrent aussi la mort quand, tendant leurs bras vers l'intérieur, ils se trouvèrent happés par des douzaines de mains et ne purent se dégager. Des gens à cheval, comme des cow-boys de l'Ouest, lançaient des lassos à l'intérieur de l'église, attrapaient plusieurs victimes à la fois, et il arriva qu'ils ramenèrent des parties de corps, des bras, des jambes. Mais ils contribuèrent quand même à sauver quelques personnes. Toute la ville de Santiago collabora. Mais dans cette tragédie, plus de 2000 fidèles périrent. Trois jours après ce tragique incendie, dans le journal Le Chemin de Fer de Santiago, une annonce fut publiée convoquant à une réunion pour le 14 décembre des jeunes désireux de former une compagnie de pompiers bénévoles. Plus de 200 personnes de classe sociale, d'âge et d'opinions différentes se réunirent pour établir les bases d'un corps de pompiers de Santiago. Depuis, 113 ans ont passé, mais les principes fondamentaux et caractéristiques de cette organisation subsistent. Son caractère volontaire et bénévole. Son organisation essentiellement démocratique. Sa laïcité, son apolitisme et la fusion originale de personnes de conditions sociales différentes, mais unies exclusivement par la volonté de servir. Le pompier, quand il s'incorpore, sait qu'il y a certains sujets qu'il ne doit pas aborder dans sa caserne. Dans sa vie privée, il peut avoir les opinions et les positions qu'il veut. Mais à la caserne, ces sujets sont interdits. Indépendamment de ses propres opinions, chacun respecte celles des autres. Et nous sommes fiers d'affirmer que lors des différents événements de la vie républicaine du Chili, chaque fois que des partis ont été en difficulté, soit persécutés, soit interdits par la loi, les pompiers qui avaient ces croyances ou professaient ces opinions n'ont jamais eu de problème dans leur propre compagnie. Au point que des camarades de la même ou d'autres compagnies, malgré leurs opinions totalement différentes, furent les premiers qui leur tendirent les mains pour les aider à résoudre leurs problèmes. Actuellement, vous protégez donc des marxistes. Non, le corps ne protège pas des marxistes, car selon la philosophie même de l'institution des pompiers, il ne peut y avoir dans ses rangs des gens qui aient des conceptions matérialistes ou du même genre. Au cours des événements du palais présidentiel, le 11 septembre 1973, le corps des pompiers a été appelé. Il y avait la 4e compagnie. La pompe France.
Elle a été appelée à prêter ses services, ce qu'elle a fait avec promptitude, et on a lutté 10 ou 12 heures contre l'incendie du palais de la Moneda. Et vous, personnellement, qu'avez-vous fait? Vous êtes entré, sorti, intervenu de quelle manière? La seule chose importante que j'ai eu à faire dans l'incendie a été d'aider à sortir le cadavre du président. Comment avez-vous trouvé le cadavre du président? On l'a trouvé décédé, déjà mort, et on l'a sorti sur un brancard. Où l'avez-vous trouvé? Dans son bureau où il travaille. Et on l'a sorti sur un brancard? Oui, il a été transporté hors du palais de la Moneda par des unités militaires aidées par le corps des pompiers. Je crois que c'est un moment historique. Participer à un moment historique d'un pays me paraît quelque chose d'assez grand pour moi. Mais vos sentiments étaient de tristesse, de peine. Que pensiez-vous à ce moment? À ce moment-là, on ne pense à rien. Nous étions pris par une tâche très risquée et alors on ne pense à rien. Mais après, quand vous avez réfléchi? Eh bien, je n'ai rien pensé pour la simple raison que je suis apolitique. Je n'ai jamais aimé la politique. Maniobra de los fascistas y los reaccionarios que lo apoyan. Sí, camarada, reafirmo el grito de ustedes, luchando y creando poder popular. Sí, camarada, luchando y creando poder popular, pero no poder popular separado del poder del pueblo. No poder popular separado del gobierno del pueblo. Hay muchos miembros del cuerpo de bomberos. Il y a beaucoup de pompiers qui ont choisi l'exil. No tenemos aucun. Transmite la central de radiocomunicaciones del cuerpo de bomberos de Santiago por su estación base CED7. Le corps des pompiers est une sorte de petite démocratie. Chaque pompier a le droit de voter. C'est pourquoi, une fois par an, les compagnies se réunissent et élisent leur chef. La majorité d'entre elles élit le groupe de ce qu'on appelle les officiers généraux. Le 15 décembre 1973, l'ordonnance numéro 28 interdit tout type d'élection, syndicale, politique ou de n'importe quel genre. Les places vacantes seront remplies suivant les indications des représentants de la junte militaire de gouvernement. Moi, j'ai été élu secrétaire général à la fin de l'année 1973 et j'ai été réélu jusqu'à présent. Au Chili, lieu de plusieurs immigrations de nationalités variées, depuis le siècle dernier, se produisit le phénomène suivant. À mesure que ces groupes s'intégraient à la vie chilienne et apprenaient ce qu'étaient les pompiers, ils entraient rapidement dans les rangs des compagnies déjà existantes ou bien chaque nationalité créait de nouvelles compagnies. La première fut la compagnie française de l'année 1864. Postérieurement, s'ajouta une compagnie espagnole en 1892, une italienne en 1914, et dans la décade de 1950, une allemande et une britannique. Notre chère compagnie a aujourd'hui 113 ans. Elle est la plus ancienne des compagnies des colonies étrangères à Santiago. Qu'il est longtemps séjour de l'année 1864, où les Français faisaient appel de tous leurs compatriotes, sans exception, pour former une compagnie de pompiers. Notre colonie était grande alors, et combien c'était la nuit de la grande tragédie et l'énorme incendie de l'église qu'on l'appelait la compagnie. La quatrième venue de naître, adoptant le nom de Pont France, sa divise Honneur de Beaumont, sa langue, la langue française, et son pavillon, le glorieux pavillon français. La quatrième
accompli son devoir avec le Chili et avec la France aussi. En 1870, les 6 volontaires sont accourus à l'appel inévitable de la patrie et les jeunes volontaires ont changé les nobles uniformes des pompiers pour les non moins nobles uniformes des soldats. Arrive 1914 et les casseurs, berceau des patriotisme gaulois, sont partis à notre foi le plus et suite de ces meilleurs effectifs pour aller défendre la terre des ancêtres. Intermédiaire de la télévision française qui nous visite ici au Chili, sur ce continent sud-américain, nos très chaleureux, très sincères souvenirs. En avant, quatrième, vive les pompiers, vive la France. Les compagnies établies dans les zones résidentielles des classes moyennes ou aisées recrutent les pompiers dans ces milieux. Y por lo tanto a esas compañías van a ingresar este tipo de voluntarios. Tenemos Nous avons les compagnies traditionnelles formées de père en fils. Están integradas por voluntarios que es de padres a hijos, abuelos, en las cuales están Il en a toujours été ainsi. Et il préserve encore en partie l'ancienne aristocratie chilienne. Que es la antigua aristocracia chilena. El padre de Le père de l'actuel président de la République, le général Pinochet. Fut volontaire de la 10e compagnie à Valparaiso pendant 35 ans jusqu'à son décès. Et nous avons les compagnies plus modestes qui se trouvent dans les secteurs industriels et populaires et qui normalement sont intégrées par des gens de conditions inférieures. Des chauffeurs, des mécaniciens, des petits commerçants, des métiers de ce genre. Mes ancêtres n'étaient pas pompiers. Suniga, volontaire de la 17e compagnie, nous a été désigné par ses supérieurs comme exemple de prolétaire intégré dans cette grande famille des pompiers de Santiago. Je ne suis plus un ouvrier, mais un employé de banque. Parlons donc des employés et des ouvriers en général. L'ouvrier va le samedi aux courses pour jouer ce qu'il lui reste. Ils vont avec leurs amis boire un coup, ils se saoulent, perdent le peu d'argent qu'ils ont gagné dans la semaine. S'ils sont convenablement habillés, ils tombent, déchirent leurs vêtements. Ils abîment tout.
À la maison, les enfants sont mal habillés, mal tenus, ils négligent le bien-être du foyer, c'est de leur faute. Ils pourraient s'occuper davantage de leur famille, se consacrer davantage à leur foyer, vivre davantage en famille. Vous appartenez à un syndicat ? Non, à aucun, seulement à la Confédération de la Banque d'État. Et parfois vous faites la grève ? Non. Jamais ? Jamais. Je me suis toujours consacré seulement à mon travail. Et dans votre cas personnel et celui des autres employés de banque, comment défendez-vous vos droits ? Par l'intermédiaire de la Confédération. Quand on doit faire une réclamation, demander quelque chose, mais notre section ne fait presque jamais rien parce que nous sommes bien. Nous n'avons pas de problème. Que mon fils soit ce que je n'ai pu être. Qu'il ait un diplôme universitaire. Lui donner l'enseignement qu'il mérite. Donner du bien-être à mon épouse. Mi señora. Vivre tranquille. Monsieur et Madame Soniga habitent un petit pavillon dans une banlieue modeste. Ils possèdent la télévision, une chaîne haute fidélité, une petite voiture. Et une jeune bonne aide Madame dans les tâches de la maison. Madame ne travaille pas. Ni de par son niveau de vie, ni de par ses idées, Monsieur Soniga ne peut être considéré, évidemment, comme un modèle des travailleurs chiliens. Et nous pensons que les responsables des pompiers qui l'ont choisi pour nous ont fait preuve d'un optimisme excessif. Cet après-midi, M. Soniga accueille ses amis pompiers de la 17e. Un comptable, un petit commerçant, des employés. On va fêter l'arrivée d'un nouveau volontaire dans leur compagnie. Se me cae que está comiendo pollo. Ahora 17 de huevo. Ahora sí. Yeah.
Ont disparu mon époux, qui est âgé de 51 ans, mon fils de 29 ans, père d'un enfant, mon autre fils, père de deux enfants, et ma belle-fille, enceinte de 3 mois au moment de son arrestation et disparition. À quelle époque ont-ils disparu? Le 29 avril 1976, exactement à 10h30 du soir. Les quatre? C'est-à-dire les trois enfants, le 29 avril. À 10h30 du soir, ils ont été arrêtés au croisement de Santa Rosa et Sébastopol. Et mon époux, le lendemain, quand il s'apprêtait à faire les premières démarches, il a été arrêté en sortant de chez nous. Il l'attendait. Quelle profession a votre mari? Typographe. Typographe retraité. Et vos fils? L'aîné est photolithographe. Le second travaille dans les arts graphiques. Que faites-vous pour essayer de les retrouver? J'ai fait l'impossible. En premier lieu, j'ai demandé qu'il soit présenté devant les tribunaux, mais ça a été refusé. Et on a transformé ma demande en plainte contre séquestration devant la justice ordinaire. Les papiers sont là-bas. Nous avons écrit plusieurs lettres au ministère de l'Intérieur, à M. Pinochet, le président de la junte militaire. Nous avons écrit au ministère de la Justice. Vous, madame, vous avez perdu beaucoup de membres de votre famille? Ma fille, mon gendre. Nous sommes les deux belles-mères. Elle, c'est la mère de l'époux de ma fille. Et votre fille était enceinte? De 3 mois. Ce jour-là, le 29 avril, ma fille était venue goûter chez moi. Et ses sœurs sont allées l'accompagner au travail de son mari au 47 de la rue des Teatinos, en face du ministère de la Défense. Ses deux sœurs l'ont laissée là, avec son fils. Et selon les informations qu'on a eues, c'est de là qu'elle est partie avec son mari jusqu'à l'endroit où ils ont été arrêtés. Un pâté de maison avant d'arriver chez eux. Ma fille s'est mise à crier, peut-être parce qu'il tapait sur mon gendre. Elle, ils l'ont frappée sur son petit ventre. Elle est tombée évanouie et ils l'ont mise dans une auto ou une fourgonnette. Toujours sans connaissance. Après, le petit a été trouvé à un pâté de maison plus loin. On l'avait descendu d'un taxi. Il avait laissé tomber un jouet que l'autre grand-mère a retrouvé à cette hauteur dans le caniveau. Le lendemain, elle m'a amené l'enfant à la maison et j'ai dû le mener chez le psychologue parce qu'il criait en appelant ses parents. Il avait comme des attaques. Pendant un mois, il n'a mangé que du lait et des fruits et il réclamait son père et sa mère en criant. Et moi, je pleurais avec lui. Actuellement, l'enfant me dit, mais où sont papa et maman? Il n'y a pas un jour où il ne le demande pas. Quand je sors, quand je reviens, tu m'as ramené maman, tu m'as ramené papa. Maintenant, si ma fille est vivante et si elle a accouché, son bébé doit avoir 4 mois, parce que c'était pour octobre. Este problema de los niños. Ce problème des enfants abandonnés à cause de l'arrestation et de la disparition de leurs parents est une vraie tragédie.
Les enfants sont traumatisés. Anne Métifus, de 2 ans seulement, aborde chaque militaire qui passe dans la rue en lui demandant « Où est Manyongo ?» Manyongo, c'est son père. Et que peuvent lui répondre les militaires? Il y en a eu qui ont eu les larmes aux yeux quand nous leur avons expliqué pourquoi l'enfant posait cette question. Quel espoir avez-vous maintenant? Notre espoir est le travail que nous pouvons faire, nous, les familles ici au Chili. Ce qui est très important, c'est la solidarité de tous les citoyens chiliens devant ce problème qui n'est pas seulement le nôtre, mais de centaines de milliers de Chiliens confrontés à toutes sortes de difficultés. Aussi, notre espérance est que nous nous unissions tous, qu'on demande au gouvernement une réponse définitive à notre problème. Et notre autre espoir est la solidarité internationale, surtout celle des femmes dans le monde entier. Je ne sais comment l'humanité, au XXe siècle, peut permettre toutes ces choses qui accablent la famille chilienne. Ils n'avaient rien qu'un idéal. Ils ont été traités pire que des criminels, parce que les criminels, ceux qui violent un enfant, on les enferme dans la prison publique où on peut les voir et leur rendre visite. Moi-même, par exemple, je me considère comme un représentant de ce que nous appelons au Chili la classe moyenne professionnelle. Je suis licencié en droit, mais en même temps, je fais partie de ceux qui ont recours à ce qu'on appelle le pluriempleo, c'est-à-dire la nécessité d'avoir plusieurs emplois pour faire face aux besoins, le salaire principal étant insuffisant. Las necesidades cuando el ingreso fijo normal que uno tiene por su labor no es suficiente. En quoi consiste le travail que vous réalisez actuellement? Je termine des planches d'uniforme, car mon violon dingre, c'est précisément ce genre de dessin. Mon frère et moi, nous sommes spécialisés depuis quelques années dans le dessin et l'histoire de l'uniformologie. Bien sûr, dans la mesure de nos possibilités. Que veut dire uniformologie? L'uniformologie est un mot que j'ai appris des Espagnols. Je crois qu'elle définit tout ce qui concerne l'histoire des uniformes. Ici, nous utilisons volontiers l'expression iconographie militaire. Nous avons fait une étude sur ce qu'ont été les uniformes dans notre patrie. Et nous avons le projet actuellement d'en faire une au niveau latino-américain. C'est un sujet que, malheureusement, personne ne s'est soucié de traiter. Vous avez publié un livre récemment? Oui, nous publions un livre. Justement, j'étais en train de noter quelques idées d'après les illustrations. Ce livre est une sorte de synthèse de l'évolution des uniformes dans notre patrie, avec des références à d'autres pays qui furent plus ou moins en relation avec le Chili pendant les 400 ans que couvre le livre. Les frères Marquès remercient le général Pinochet de l'intérêt qu'il a porté à leur ouvrage. Le problème général du chômage dans le pays, qui est un des problèmes économiques et sociaux les plus importants, touche beaucoup les classes moyennes et les classes professionnelles. Je dirais que non.
Je dirais que non. Je dirais que le chômage en ce moment touche surtout les secteurs modestes qui ne sont pas spécialisés, qui ne possèdent pas de préparation technique. Je peux dire que, malgré les problèmes, la grande masse de la classe moyenne au Chili est d'accord avec le régime actuel. Elle croit même qu'il pourra améliorer son sort dans le futur, particulièrement dans l'économie. On dirait que vous êtes fasciné par l'image de Napoléon. Pourquoi ? À quoi se deve ? En fait, j'ai appris qui est Napoléon à l'école. À cette époque, me fascinait sa condition de chef militaire. C'est ce qui habituellement passionne les jeunes. Ensuite, à travers mes études de droit, j'ai appris ce qu'il a apporté en tant que conducteur politique de la France, ainsi que sa création du Code Napoléon, sur lequel est directement basé le Code chilien. De fait, l'approfondissement de cette étude durant beaucoup d'années permet de découvrir la diversité des aspects de Napoléon. Non seulement il a été un politicien, un extraordinaire gouvernant, un chef de masse d'un charisme extraordinaire, mais peut-être un des plus habiles militaires que nous ayons eu dans l'histoire mondiale. Je crois que c'est l'ensemble de ces facteurs qui perpétuent l'idée de Napoléon à travers le temps, et même que c'est la personne sur laquelle on a le plus écrit dans l'histoire universelle. Je crois que 300 ou 350 000 volumes ont pour sujet Napoléon Bonaparte. Cela explique en grande partie qu'une personne modeste comme moi puisse avoir un peu d'admiration pour lui. Parmi tous ces aspects, comme juriste, comme homme politique, comme guerrier, quel est celui qui vous a le plus fasciné ? Passionné comme je le suis par l'histoire militaire et les uniformes, c'est cet aspect-là qui l'emporte, plus que l'aspect juridique. Je suis juriste de formation, mais par goût, je suis historien et spécialisé dans la partie militaire. Les corporations se réunissent avec leurs autorités et on discute franchement des problèmes pour le bien du pays. C'est pourquoi je vous demande unis comme nous le sommes aujourd'hui du nord au sud. Comment estamos hoy de Arica, tierra del fuego. De saluer ici, ce matin, la présence du gouvernement du Chili, représenté par le ministre et secrétaire général du gouvernement, le général Hernán Perrares. Les conclusions sont réellement extraordinaires. L'une d'elles est le désir de continuer dans le plus grand enthousiasme, à collaborer avec la junte militaire du gouvernement. Des secteurs très importants du commerce chilien, ainsi que les entreprises de transport routier qui, avec leur grève, paralysèrent l'économie du pays,
ont été des adversaires acharnés et efficaces de l'unité populaire. Et comme le secrétaire des pompiers nous l'a fait comprendre, c'est sur les classes moyennes que la junte militaire s'appuie et recrute le gros de ses troupes. Dans des situations analogues, en Allemagne, en Italie, en Espagne, les dirigeants puisèrent leurs forces dans les mêmes milieux sociaux. Ainsi, en janvier 1977, au moment du voyage présidentiel à Punta Arenas, l'adhésion des commerçants au général Pinochet s'est manifestée par de nombreuses salutations dans la presse locale. Pour un Chili qui avance, pharmacie Fueguina. Bienvenue, mon général Augusto Pinochet Ugarte, président du Chili. Boucherie Avenir. Transport Ferrando. Allons-y, en avant. Nous avons les compagnies traditionnelles, formées de père en fils. Il en a toujours été ainsi, et il préserve encore, en partie, l'ancienne aristocratie chilienne. Voici mon père. Et voici mon oncle. Et puisque nous sommes dans les souvenirs, je ne peux oublier qu'un de mes ancêtres fut le premier président de la junte de gouvernement du Chili indépendant. Le premier de mes ancêtres arriva au Chili en 1685. Plus tard, en 1864, un autre de mes ancêtres, Manuel José y Larrazábal Larraín, fut directeur du club. Et aujourd'hui, moi, Carlos Larraín, je suis directeur de cette institution, le Club de l'Union de Santiago du Chili. Vous avez beaucoup de travail au cinéma au Chili ? Non, pas beaucoup. Combien de mois travaillez-vous par an ? 4-5 mois. En quoi ? Dans la publicité, dans des documentaires comme celui-ci, mais des longs métrages, il y a longtemps qu'on n'en fait pas. Quelle production de longs métrages y a-t-il eu jusqu'à ces dernières années ? Un. En 3 ans, un long métrage. Oui, en 3 ans, un seul long métrage. Et avant, pendant le gouvernement Frei ou pendant l'unité populaire, combien de productions y a-t-il eu ? Je crois qu'on a fait environ 10 films par an.
Il y a beaucoup de cinéastes, beaucoup de réalisateurs actuellement au Chili. Dans les cafés, il y en a beaucoup. Il y en avait beaucoup, mais maintenant, ils ont d'autres activités. Comme il y a peu de production, les gens doivent chercher d'autres ressources. Quel salaire avez-vous, par exemple, un électricien? Nous ne pouvons pas répondre, nous n'avons pas de contrat. Il n'y a pas de tarif. Il y avait des tarifs syndicaux, mais en ce moment, les syndicats ne fonctionnent pas. Pourquoi les syndicats ne fonctionnent-ils pas? Par recesso. Que veut dire recesso? Que la direction est immobilisée. Elle existe parce qu'elle existait auparavant, mais elle n'a aucune activité. Il n'y a pratiquement que deux ou trois sources de travail. La télévision nationale, Chili Film, etc. Mais en même temps, les salaires sont si bas, je pourrais dire inférieurs à $200 par mois, que les professionnels du cinéma ne travaillent pas dans ces institutions. Ils sont indépendants. Et un électricien, combien gagne-t-il à Chili Film? À Chili Film, il doit gagner aujourd'hui 2000 pesos par mois. Monsieur Larrain, quelle est votre profession? Ingénieur chimiste, spécialisé en parfumerie et cosmétique. Monsieur Phillips, quelle est votre profession? Ma profession est chirurgien dentiste. J'ai été doyen de la faculté durant deux ou trois périodes, c'est-à-dire 8 ou 10 ans. De combien de mètres carrés dispose le club? 12 000 mètres carrés. Et beaucoup de membres? 3 000. Quelles conditions doivent être réunies pour être admis comme membre? Des antécédents de bonne conduite et de solvabilité. Et vous avez beaucoup de demandes d'admission? Elles s'équilibrent avec les départs. Parmi les 3 000 membres, y a-t-il des femmes? Les femmes des membres. Combien de salles à manger a le club? Près de 25. Et dans combien les femmes sont-elles acceptées? Dans une quinzaine. Il y a des étages réservés aux hommes en raison de la confiance qui règne entre hommes. Avec le respect des dames. Vous êtes ici complètement en marge de la vie politique et religieuse. Totalement en marge. Cependant, durant l'unité populaire, vous avez eu quelques ennuis, quelques problèmes.
Verbalement, oui, beaucoup. Mais en fait, rien. On ne vous a pas inquiété? Très peu, très peu. Mais on vous a menacé de nationaliser l'édifice? Verbalement, mais pas en fait. Que voulait-on installer ici? On a beaucoup parlé, j'insiste, seulement parlé, de convertir le club en centre de mères, d'enfants, en centre culturel, selon des idées politiques totalement en marge de nos principes. La jeunesse actuelle, magnifique. La jeunesse est toujours bonne. Souvent on l'abîme, mais elle est bonne. Qui l'abîme? Ah, vous me le demandez, mais vous savez parfaitement qui c'est. Oui, je le sais peut-être, mais les spectateurs qui vont voir le film ne le savent pas, eux. Mais ils vont le deviner aussi. Non, non, à qui faites-vous allusion? Franchement, je ne sais pas. Il y a toujours des gens qui ont intérêt à produire des difficultés, surtout parmi les jeunes. Ce n'est pas des jeunes que provient la difficulté, mais d'autres, plus âgés, qui essaient de se servir d'eux. De l'enthousiasme des jeunes. Vous souvenez-vous d'une anecdote, d'un événement important avec les étudiants, du temps où vous étiez doyen ou professeur? Non. Si. Il y a eu une fois une petite difficulté. Mais comme j'ai été ferme, et ne voulaient pas céder, ils ont fait alors un défilé. Quelle était la difficulté? Que demandait-il? Non, je ne me souviens pas exactement. Il s'agissait de la durée des cours, d'un problème de ce genre. Enfin, il y a toujours de petits conflits. Et comme je ne cédais pas, ils ont fait un défilé burlesque avec un singe sur un âne, c'est-à-dire le doyen sur un âne, ce qui signifiait qu'il était entêté. Mais nous sommes restés bons amis. Monsieur Phillips, à part votre activité comme professeur d'odontologie et comme pompier, avez-vous fait d'autres choses dans la vie? Oui, bien sûr. Quand je me suis retiré, je me suis mis à l'agriculture, ici, près de Santiago. Mais en matière d'agriculture, demandez à Henri Bernstein, qui a un des plus beaux domaines à une cinquantaine de kilomètres de Santiago. Vous êtes donc un grand propriétaire terrien. J'ai peut-être été grand propriétaire, mais actuellement, après l'application de la réforme agraire il y a 4 ans, nous avons une toute petite propriété agricole, rien d'autre. Quelle autre activité professionnelle avez-vous eue? J'ai été diplomate de carrière toute ma vie. En réalité, c'est par mon mariage que je me suis tourné vers l'agriculture. Vous avez été ambassadeur en beaucoup d'endroits? En Autriche, en Yougoslavie et en France pendant 6 ans. En France, à quelle époque? Pendant toute l'époque du général de Gaulle et ensuite du président Pompidou. Et au cours de votre carrière, vous avez dû avoir l'occasion de rencontrer des personnalités politiques qui sont déjà probablement entrées dans l'histoire. Laquelle d'entre elles vous a le plus marqué? J'ai eu la chance de connaître une énorme quantité de gens. La personnalité qui m'a le plus impressionné est celle du général de Gaulle. J'ai eu le privilège de traiter souvent avec lui. C'était un homme qui avait à la fois, ce qui est rare, le sens du futur et le sens du passé. J'ai connu le président Kennedy, avant le président Roosevelt, le futur pape Jean XXIII, quand il était nonce à Paris, Monseigneur Roncalli, le maréchal Tito, le président Nasser, enfin beaucoup de monde. Et Fidel Castro, vous avez eu l'occasion de le voir? Jamais.
Par contre, quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître, et je suis peut-être un des rares Chiliens qu'il ait eu, ce fut Che Guevara, aux Nations Unies. J'ai le souvenir d'une personne qui, avec moi, s'est très bien comportée, car il n'a jamais divulgué notre entrevue. Ce fut un gentleman, bien que beaucoup soient choqués par ce que je dis là. Vous pouvez la divulguer maintenant ? Non. Non, il l'a emportée avec lui dans la tombe. Et moi, je la révélerai peut-être quand elle aura perdu son actualité. Que faites-vous maintenant ? J'ai pris la retraite depuis 5 semaines. Je suis revenu à l'agriculture. J'écris mes souvenirs de tant d'années diplomatiques. Ils sont longs ? Les souvenirs sont très longs. J'espère que le livre ne le sera pas autant. Vous venez souvent au club ? De moins en moins. Quand j'étais jeune, j'y allais beaucoup. Aujourd'hui, j'y ai beaucoup moins d'amis. Et quand j'ai du temps libre, je préfère aller à la campagne. Une campagne qui était très belle, mais dont il nous reste bien peu. Après avoir eu un latifundio, nous avons à peine une résidence secondaire. Tant que la démocratie fut faite par l'aristocratie, elle fut bonne. Mais la démocratie par les démocrates est mauvaise. Mauvaise parce que l'aristocratie était entièrement blanche et une grande partie du peuple ici a du sang indien. Et bien entendu, c'est nous et les Argentins qui avons le moins de sang indien. Mais les Argentins ont beaucoup de sang italien. Depuis quand cette région appartient-elle à votre famille ? Depuis 140 ans. Qui l'a acquise ? Mon grand-père. Et combien d'hectares avait-elle ? Tout ce qui entoure le lac ? « 1500 de plaine et 8000 de montagne. » Il devait y avoir 1500 hectares de plaine. Soit entre 7 et 9000 hectares. Oui, mais de montagne. De montagne pour les troupeaux ?
Oui, pour les troupeaux, c'était là qu'on les menait paître. Quand avez-vous été exproprié? En mai 1971. Comment s'est déroulée cette expropriation? Expropriation dans le calme. Oui, elle a été très calme. Calme, l'expropriation proprement dite. Avant, il y a eu beaucoup de difficultés. Avant, cela a été une époque très pénible, très désagréable. Mais nous avons tourné une page, nous avons tourné la page du livre, nous avons changé de sujet. Et heureusement, nous avons la maison. Et le livre, de quoi traite-t-il? De la vie. Nous avons donc la maison qui est très agréable, où nous pouvons aller en fin de semaine, c'est une résidence secondaire. Vous ne vous considérez pas comme des victimes, des personnes dépouillées? Voyez, nous avons toujours été pour la réforme agraire, depuis toujours. C'était une chose qu'il fallait faire. Je ne sais pas si économiquement c'était souhaitable pour le pays, mais toujours il nous a paru que politiquement, socialement, c'était une chose qu'il fallait faire. Cependant, nous aurions aimé que cela ait été bien fait, mieux fait. Pour le bonheur de tous. Pour le bonheur de tous. La résignation lucide et à peine amère de la famille Letellier-Bernstein n'est pas partagée par la plupart des propriétaires terriens qui ont violemment récupéré leurs privilèges. Actuellement, je suis dirigeant de la Confédération nationale paysanne de ma région. J'ai été élu avant le 11 septembre 1973. Je dis avant le 11 septembre parce que, après, un décret a interdit que les dirigeants soient élus. Entonces uno hace esa diferencia para que la gente lo entienda. La ley de reforma agraria que data del año 1967. La loi de réforme agraire de 1967 jusqu'en 1970 avait été appliquée par la démocratie chrétienne, mais de manière très vague et très lente. 1500 domaines avaient été expropriés. Habría expropiado unos 1500 previos a esa fecha. Pendant l'unité populaire, à partir de 1970, en trois ans, on arrive à 3900 expropriations à peu près, environ 9 millions d'hectares. Du 11 septembre 1973 à maintenant, la junte militaire a changé le programme. Une grande quantité de domaines a été restituée aux anciens propriétaires, près de 2000, soit 4 millions d'hectares. Et du reste, seulement 1 600 000 hectares a été attribué individuellement aux paysans. De plus, un décret de la junte du gouvernement excluait comme bénéficiaire quiconque avait été mêlé à une confiscation de terres ou avait fait pression pour exproprier. Or, au Chili, presque tous les paysans ont fait pression pour l'expropriation, puisque la loi le permettait. Et si le patron la refuse, il est logique que le paysan s'oppose à lui. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas profité de l'expropriation. Par contre, beaucoup qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture ont reçu de la terre, alors que d'autres qui y ont travaillé pendant 20 ou 15 ans sont restés sans rien. Que représente la situation actuelle pour le peuple chilien? Objectivement, il me semble, sans faire une critique au gouvernement, que par rapport aux périodes antérieures, il y a un recul. En ce qui concerne le développement économique, je crois qu'on a reculé. De combien? En ce qui concerne les travailleurs et les paysans, je crois qu'il y a 20 ans de recul. Il y a eu beaucoup de répression ici, dans cette zone? Il y a eu répression dans le sens qu'il y a eu des fusillés.
11 fusillés. Pour des motifs politiques et je n'ai rien su d'autre. C'était des hommes qui défendaient leurs idéaux ? Des paysans ordinaires qui avaient une idéologie, qui vivaient dans cette idéologie, mais je ne crois pas, selon les témoignages que j'ai recueillis, qu'ils aient été mauvais ou des espèces de bandits. Quel travail faisait votre mari ici? Ouvrier agricole. Durant l'unité populaire, quelle responsabilité avait-il? Dirigeant agricole, rien d'autre. Président du syndicat Manuel Rodríguez de Paine. Et qu'est-il arrivé après le 11 septembre 1973? Des carabiniers sont venus le chercher. Nous n'avons jamais eu de nouvelles. Vous ne savez pas s'ils l'ont fusillé? Non. Ils ne m'ont jamais répondu. Toutes les fois que je suis allée vérifier, ils ne m'ont pas répondu. Quand cela est-il arrivé? Le 15 septembre 1973. Ils l'ont emmené. Où êtes-vous allé réclamer? À Paine, parce qu'ils l'ont emprisonné en premier à Paine. Ensuite, ils m'ont dit qu'ils l'avaient emmené à l'école militaire, à l'école d'infanterie de San Bernardo. Là, on m'a dit qu'il était au stade national. Chaque jour, pendant 3 mois, je suis allée partout. Je n'ai jamais eu de réponse. Après, j'ai abandonné, car je n'avais plus d'argent pour voyager. Et nous n'avons rien su de plus. Avez-vous beaucoup d'enfants? 11. Que faites-vous pour pouvoir vivre depuis la disparition de votre mari? Mon fils aîné a pris sa place dans le domaine.